Tu cherches les crédits les moins chers et les plus safe, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de faire du 6-24 en fut de champion? Contrôlez le receveur! Alors check Level Up, les boissons énergisantes des gamers qui vont te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien les gars. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et c'est une vidéo FIFA 22. Et oui, bon certes, le jeu n'est pas sorti. On est tous impatients, toi le premier, moi le premier, mais oui, c'est vrai que je m'ennuie, certes, il y a les SBC 85x10, je suis en train encore d'en faire, j'ai dû en faire 200, j'ai la tête grosse comme ça, mais à un moment, voilà, on en a fini avec ce jeu, on veut voir du nouveau, et EA Sports est très, très, il dévoile pas grand-chose, il n'y a pas trop de base de données, il n'y a pas grand-chose qui a leak, ensuite on a vu un Mbappé à 91, a priori, un CR7 à 91, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est 91, il a mis un doublé. J'ai regardé le match, en plus, il était exceptionnel. Mais ouais, apparemment, CR7 91, Messi 93, Lewandowski 93. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler icônes. Et des nouvelles icônes, voilà. A priori, 4 nouvelles icônes seulement. Et oui, hein, tu vas sûrement tirer une tête d'enterrement, c'est très peu. Mais bon, ça s'explique avec les cartes heroes rajoutées, sûrement. Hein, on a une vingtaine de cartes heroes. Et du coup, bon, c'est compréhensible. On en a déjà beaucoup d'icônes, quasiment une centaine. Du coup, on va regarder ensemble les 4 nouvelles icônes, ou plutôt les 3 nouvelles, parce qu'il y en a une, on ne sait pas encore. Du coup, ne quittez pas la vidéo à la fin, parce qu'il y a une petite supposition entre deux. Du coup, on va débattre sur ça. On est parti avec la toute première icône de FIFA 22. Et c'est Robin Van Persie. Et les gars, direct dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. C'est quand même un joueur que vous avez dû voir jouer pour beaucoup. Hein. C'est quand même un joueur qui a stoppé sa carrière il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Concernant ces cartes, vous les avez devant vos yeux. Bon, voilà. Mon petit sourire en dit long. On verra après, on ne va pas s'avancer. Mais je ne pense pas que ça soit une icône hyper forte. Même si les étoiles peuvent changer la donne. Hein. Rappelez-vous Pirlo qui a eu 5 étoiles en GT. Van Persie peuvent lui mettre un petit 5 MP ou un petit 5 GT. Même si ce n'est pas forcément mérité, vous savez de quoi il est capable pour rendre les cartes beaucoup plus jouables. Du coup, on a une carte Baby avec des stats beaucoup plus intéressantes que la carte Middle, comme souvent. D'ailleurs, hein, c'est vrai que c'est le cas de pas mal d'icônes, c'est assez bizarre. La carte Prime, on va faire un petit focus dessus parce que ça me paraît très intéressant. Avec un petit style catalyseur ou chasseur, par exemple, qui serait vraiment très très fort. Devant le but, ça risque de ne pas trembler. Et je pense que ça sera du 4 étoiles minimum parce que Van Persie était quand même assez technique. Belle icône pour tous les fans de United, ça fait plaisir. On enchaîne avec Iker Casillas. Donc ça, c'est la petite dédicace pour les supporters du Real Madrid. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, je vous le dis direct, il y a une erreur hein, sur les stats. Ils ont mis vitesse tir. Et sachez les gars que c'est des screens qui viennent d'IA, c'est même pas de ma faute. J'ai quand même voulu le laisser comme ça pour encore une fois les descendre un peu plus. Ça fait toujours plaisir de les descendre et pour le coup, il y a vraiment une raison. C'est du manque de professionnalisme, mais bon, hein, on va pas chipoter de trop. Voilà, c'est des stats de gardien en gros. La stat en bas en droite, c'est le positionnement. Celle en haut à droite, c'est le réflexe. Et en haut à gauche, c'est le plongeon. Oui, j'ai mis un petit screen pour me rappeler. Mais voilà, moi je suis un petit peu déçu sur ces stats quand même, notamment sur les deux premières cartes. Ça reste quand même Iker Casillas, c'est juste un gardien extraordinaire qui a passé sa carrière au Real Madrid, qui a gagné des titres en veux-tu en voilà. Maintenant, il faudra voir in-game. La carte Prime, par contre, fait plaisir. Et ça laisse entendre que la carte Prime Moment va être juste exceptionnelle. Sûrement un des meilleurs gardiens du jeu. Mais bon, ça fait plaisir. Même en vrai, pour les links, ça peut être cool de linker, par exemple, du Ramos, s'il a une carte forte. S'il a une carte, par exemple, Flashback, ça peut être très intéressant. Puis bon, de toute manière, les icônes, ça link tous les joueurs. Dernière icône, du coup, qu'on va présenter, c'est Cafu. Donc là, c'est un petit peu plus vieux que Van Persie, mais bon, pour ceux qui sont fans du Milan AC, vous allez être aux anges pour ceux qui sont fans également de la Roma. Voilà, c'est quand même, je pense, sur les 3 que je vous présente, la plus belle des icônes, la plus intéressante, une petite carte baby assez sympathique, qui sera sûrement chère pour ce que c'est, donc bon, faudra voir. Maintenant, là où c'est très intéressant, c'est surtout les deux autres cartes. Carte Prime et Middle, surtout la Prime qui est très très belle défenseur latéral droit. Faudra voir les étoiles, pareil, mais je pense que ça sera assez technique. Et il a quand même une très très belle carte, très peu de tirs par contre. Bon, après Cafu,
ça a jamais été un gars qui marquait des buts, quoi. Donc du coup, ça me choque pas. Mais en tout cas, sur les trois, c'est la plus belle. Et du coup, les gars, dernier screen avec les trois icônes du haut présentées et un petit point d'interrogation pour conclure. Les gars, ils se murmurent qu'a priori, ça serait soit Di Stefano, soit Rooney. Sachez une chose, les gars, c'est que ces deux joueurs que je viens de vous citer étaient présents dans la base de données du jeu. Voilà, du coup, un des deux a été gerclé. Voilà, on ne sait pas pourquoi, sûrement un problème. Ou alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera sûrement un des deux. Il se murmurait aussi Adriano, a priori, ça ne se fera pas. Maintenant, on n'est pas au bout de nos surprises. Moi, je vous conseille, les gars, de me suivre sur Twitter, c'est très important. Parce que souvent, je retweete les informations et vous pourrez avoir l'info si vous le souhaitez. En tout cas, les gars, on est bon. Voici toute la liste des icônes plus les nouvelles. Voilà, c'est énorme. J'espère en tout cas que cette courte liste vous a quand même plu. Vous me dites dans les commentaires votre nouvelle icône préférée. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.